L'Empire romain. Les Romains considèrent les Alpes un territoire inhospitalier et dangereux, habité par des peuples belliqueux au caractère indépendant, difficile à dominer. Après la conquête de Gaulle, la France actuelle, par Jules César en 5 ans avant Jésus-Christ, ils décident cependant de conquérir les régions alpines pour pouvoir utiliser librement les cols qui communiquent avec cette province et qui permettent d'envahir d'autres régions, comme l'Helvétie, la Suisse actuelle. La position géographique de la vallée d'Aoste devient alors très intéressante, car elle communique tant avec la Gaule, par le petit Saint-Bernard, qu'avec l'Helvétie, par le grand Saint-Bernard. L'empereur Auguste décide alors de l'occuper et de soumettre définitivement les Salasses. L'armée romaine doit soutenir une campagne difficile, car elle rencontre une résistance acharnée. Mais le général Terentius Varron réussit à battre définitivement les Salasses l'an 25 avant Jésus-Christ. Après la victoire, ils fondent une ville au centre de la région, à laquelle ils donnent le nom d'Augusta Praetoria Salassorum, en l'honneur d'Auguste. Pour la peupler, on envoie 3000 vétérans du corps militaire des Prétoriens, la garde personnelle de l'empereur, alors que de nombreux Salasses sont vendus comme esclaves au marché des Porédia. Quand les Romains vont arriver en vallée d'Aoste, ils vont retrouver un territoire qui n'est pas vide, mais qui est habité par une population qu'aujourd'hui on sait appartenir, qu'on appelle Salasses, et qu'on sait appartenir aux Celtes, à la civilisation des Celtes, qui est une civilisation qui commence à être assez bien connue, qui concerne et qui se développe pratiquement dans tout le continent européen, tout au moins occidental, et qui arrive jusqu'au nord de l'Italie. Pendant l'âge du fer, donc à partir du 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ, cette population commence, ces populations en fait, commencent à avoir, à être définies par des traits spécifiques. Les grands voyages de l'époque précédente qui avaient permis le développement pendant le deuxième millénaire d'une culture assez globalisée, en fait, vont être remplacés par une situation complètement différente. Parce que le fer, la métallurgie du fer, nécessite d'une technologie pointue, mais le fer, il existe pratiquement partout. Et le fait qu'il existe partout met une fin à ces voyages systématiques. Donc on commence à voir des grandes civilisations qui sont définies par des traits qui sont des traits spécifiques et qui se maintiennent dans le temps. Et à l'intérieur de ces populations, les récentes découvertes, surtout celles du tumulus de l'hôpital, qui a pu être associée à des connaissances qu'on avait déjà concernant surtout le tumulus de Saint-Martin de Corléans. Maintenant, toutes ces découvertes nous rendent absolument sûrs qu'à partir du 9e ou 8e siècle avant, la vallée d'Aoste est peuplée par des Celtes. Dans la première partie de leur histoire, ces Celtes vont être définis avec un terme qui provient d'un site allemand qui s'appelle Hallstatt. Donc, dans cette première partie, ces Celtes, pour ceux qu'on en sait, sont organisés dans une société qui est fortement hiérarchisée avec des princes, ce qu'on appelle princes,
qui se font enterrer en fait sous ces tumulus, qui sont associés à des offrandes qui montrent un aspect guerrier de cette élite qui gérait la population, et qui surtout, pas tellement avec les découvertes d'Aoste, mais il y a des tumulus pratiquement partout, on sait qu'ils faisaient beaucoup de commerce avec le monde de la Méditerranée. Dans ces grandes tombes de princes, on trouve souvent des objets d'importation. C'est justement ce contact qui a un peu changé la perception de ce monde celte, parce qu'autrefois on pensait à un monde extrêmement fermé. Au contraire, aujourd'hui on pense à un monde qui voyageait, qui était engagé dans une économie d'échange avec le monde méditerranéen, tellement forte qu'à un moment donné, autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, a fait en sorte que cette civilisation de Hallstatt change complètement et devienne une civilisation nouvelle qui a beaucoup de traits qui sont dus au contact avec le monde de la Méditerranée, dont la céramique par exemple, on commence à faire des pièces de monnaie, la langue, on commence à écrire et surtout le langage artistique. C'est cette population que les Romains vont rencontrer. Et c'est cette population qui était déjà en rapport avec les Romains, parce que les données archéologiques de la vallée d'Aoste montrent des commerces qui existaient déjà bien avant la fondation de la ville. Alors aujourd'hui, on sait que à partir de ces données archéologiques, en particulier, je pense aux épigraphes qui parlent de Salas, qui faisait partie des classes dirigeantes de la ville juste après sa fondation. Et un important épigraphe qui fait penser que ces Salassi, qui sont nommés comme Incole, vont rentrer depuis le début dans la nouvelle ville d'Augusta Pretoria. Donc il faut penser que cette intégration et cette romanisation des territoires se fait peut-être avec quelques batailles petites, mais se fait surtout par la culturation et l'intégration des cultures. Exactement comme aujourd'hui on sait qu'il se fait partout. Parce que ce n'est pas une question seulement des Salas et des Celtes, mais la romanisation se fait par une acculturation progressive qui a été très peu violente et très culturelle. D'ailleurs, c'est la seule raison qui explique pourquoi en 4 siècles, des populations qui étaient très différentes, comme celles qui résidaient ici, vont en 400 ans commencer à s'identifier dans un seul peuple, dans un seul âme, qui est un âme qu'on peut très bien définir un âme romain. La nouvelle ville est la réalisation d'un modèle idéal. Elle reproduit le plan rectangulaire d'un camp militaire. Entourée de remparts, elle est traversée par deux rues principales, le Cardo Maximus du nord au sud et le Decumanus Maximus d'est en ouest, qui unissent 4 portes aux 4 points cardinaux. Le Forum, la place centrale, est divisé en 2 secteurs. L'aire sacrée, où se trouve le temple principal, entouré d'un cryptoportique, et la place du marché, entourée de boutiques. D'autres édifices publics démontrent l'importance de la ville. 2 établissements thermaux, le théâtre, l'amphithéâtre, le stade. Les terrains agricoles qui entourent la ville sont confisqués et attribués aux nouveaux colons romains, qui construisent des fermes, les villes. Petit à petit, les anciens habitants et les nouveaux arrivants apprennent à vivre ensemble, pacifiquement. Les Romains sont des grands constructeurs de routes. Puisque le but principal de la conquête de la région est la possibilité de contrôler les cols alpins pour des raisons militaires mais aussi commerciales, un réseau routier est réalisé pour relier Augusta Pretoria à Eporedia et à la plaine du Po à l'est, au Grand Saint-Bernard que les Romains appellent Summus Peninus au nord et au Petit Saint-Bernard appelé Alpis Graia à l'ouest. Des vestiges de cette route et des ponts qui la caractérisent subsistent à Pont-Saint-Martin, Donas, Bar, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Aoste, Arviers, Avize et sur les décolles.
L'occupation romaine du territoire de la vallée d'Aoste, exactement comme il se passe pour les époques plus anciennes, dépend, notre connaissance en fait, dépend fortement des sources archéologiques. Et ces sources sont très nombreuses pour la ville, pour une question de travaux qui ont été faits et qui ont permis d'identifier ce qui était dans le sous-sol. Par contre, elles sont beaucoup plus réduites pour l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on a quand même quelques données. On sait qu'il y avait deux routes, une principale sur la gauche orographique, qui était celle qui avait probablement, qui était destinée au cursus publicus. Et il y en avait une autre, par contre, qu'on commence à connaître de mieux en mieux, qui était en droite orographique, qui sortait de la ville d'Aoste par le pont de Clairaut, dans la commune de Gresson, et qui franchissait la vallée au moins jusqu'à Villeneuve. Après, par la suite, c'est difficile de comprendre par où elle pouvait passer. L'autre élément qu'on sait, c'est que l'école était fréquentée à l'époque romaine, non seulement fréquentée, mais était aménagée avec des mansiones, avec des infrastructures différentes. Et que surtout, autre élément fondamental, il ne faut pas penser qu'on avait seulement les deux cols qu'aujourd'hui sont concernés par une route, c'est-à-dire le Petit et le Grand Saint-Bernard. Mais on sait par exemple que le col Théodule, dans la vallée d'Ayas, était constitué en fait une véritable autoroute depuis la préhistoire, mais à l'époque romane aussi. Et probablement il y en avait beaucoup d'autres. Alors ce qui donne l'idée d'une vallée qui devait être peuplée pratiquement partout. Les retrouvements qu'on a fait dans la commune de Saint-Pierre, à Vétan, dans un site à haute altitude, ont montré qu'il devait y avoir pratiquement partout des sites romains. Et d'ailleurs, il faut penser toujours que quand on construit l'amphithéâtre, le théâtre dans la ville d'Aoste, on les construit surdimensionnés par rapport à la population de la ville. Et on les construit à l'angle de la ville même. Ce qui veut dire qu'on conçoit les édifices de spectacle pour les citoyens, mais surtout pour les habitants du territoire. Et c'est une épreuve indirecte, en fait, du fait que la vallée d'Aoste était peuplée. Les Romains adorent un grand nombre de dieux et adoptent volontiers ceux des peuples conquis. Par exemple, le dieu celtique Pan, vénéré par les Salaces au Grand Saint-Bernard, devient pour eux Jupiter Pennine. Les cultes orientaux, en particulier, rencontrent un grand succès. À Rome et dans tout l'Empire, on offre des sacrifices à la déesse égyptienne Isis et au dieu syrien Mithra, vénéré celui-ci surtout pour le militaire. L'une de ces religions orientales est le christianisme, qui se répand rapidement grâce au message d'espoir, d'égalité et de fraternité qu'il offre à toute l'humanité, sans différence de nationalité ou de classe sociale.
les chrétiens reconnaissent l'existence d'un seul Dieu et refusent de reconnaître dans la personne de l'empereur une divinité vivante. On les considère donc des ennemis de l'État et on les persécute. Malgré ces persécutions, les chrétiens deviennent de plus en plus nombreux et forment des communautés de plus en plus influentes sous la conduite de leurs chefs, les évêques. L'an 313, l'empereur Constantin prend acte de la situation et autorise la pratique du christianisme. Plus tard, en 391, l'empereur Théodose l'impose comme seule religion admise et interdit le culte des dieux païens. L'autre chose qu'on peut sûrement dire, c'est que il y avait une exploitation aussi des matières premières, le site, le pont aqueduc de Pondel et la carrière du marbre Bardiglio qui était à Aimaville le montre bien. C'est l'exemple qu'on a, mais peut-être et sûrement, c'est vraisemblable qu'il y avait d'autres sites qu'on pouvait en quelque façon mettre en analogie et dont on pouvait faire le rapport avec le pont aqueduc de Pondel. Au croisement entre les deux voies principales, tout au moins les deux voies qui amenaient aux deux cols, du Grand et du Petit Saint-Bernard, il y a la ville d'Aoste. On choisit l'endroit morphologiquement idéal, qui est à côté d'un fleuve, et qui devait donner, présenter en fait, des caractères de plaine, une plaine qui était un petit peu en pente, mais qui devait être l'endroit idéal pour la fondation d'une ville. Une ville dont on connaît les modalités de fondation, parce que les retrouvements des dernières années ont permis de comprendre qu'elle avait été fondée, ou tout au moins inaugurée lors du solstice d'hiver, et qui était organisée autour des deux voies principales, comme toute ville romane qui existe dans le monde entier, dont le Decumanus et le Cardo Maximus, qu'au croisement entre ces deux voies principales, il y avait l'aire publique importante qui était le Forum, et qu'il y avait un aménagement de quartiers privés et de quartiers, au contraire, destinés aux bâtiments publics, dont le quartier des spectacles dont on a parlé. Cette topographie faisait de la ville d'Aoste non une ville spécifique de ce territoire, mais une ville tout à fait proche hein, de celle qui était l'image de Rome. Et d'ailleurs, l'architecture romaine sert à ça. Sert pour faire comprendre que dans n'importe quel côté du monde romain, on a une partie de l'âme de Rome même. Le christianisme, à ses débuts, se répand grâce surtout à des gens qui viennent de loin et qui voyagent comme les soldats et les marchands. Augusta Pretoria est une ville à la fois militaire et commerçante qui se trouve le long d'une route importante. Ce sont peut-être des marchands venant de Palestine ou des soldats de passage qui commencent à faire connaître, pour la première fois, le nom de Jésus-Christ en Valle d'Aoste, à une époque que nous ignorons. Nous savons cependant qu'au IVe siècle, il y a à Aoste une communauté chrétienne qui célèbre des cérémonies religieuses dans un édifice à côté des temples du Forum, où l'évêque a son siège. La cathédra, qui donne son nom à l'édifice lui-même, l'église cathédrale. D'autres lieux de culte naissent près de la ville, en dehors des remparts. Les futures églises de Saint-Tour, Saint-Laurent et Saint-Étienne, et quatre petites chapelles dans une nécropole dans la banlieue ouest. Puisque le paganisme résiste chez les habitants de campagne, les évêques de 5e et 6e siècle, dont nous connaissons le nom, Eustase, Saint-Gras, Saint-Joconde, Agnellus et Gallus, s'efforcent de le convertir et font des églises dans les villages aussi, comme à Villeneuve et à Saint-Vincent. Alors que l'église progresse, l'Empire romain, qui s'est divisé en deux parties, l'Orient et l'Occident,
chacune avec un empereur, est en pleine crise. Cette topographie va se modifier avec l'arrivée du christianisme. En fait, une première modification, on l'a très probablement à partir du 3e siècle. Dans le monde romain, au 3e siècle, on enregistre une profonde crise économique. Cette crise comporte une réduction de la surface de la ville. Par exemple, on sait par les données archéologiques récentes que la partie gauche elle est abandonnée. Et une autre grande variation dans la topographie, on va la voir avec la fondation des premiers édifices religieux. Là où il y avait le forum, on va construire la première cathédrale, qui est très précoce en Valle d'Aoste. Il faut penser aussi que Aoste représente et a un rôle extrêmement important dans l'Antiquité tardive, parce que l'empereur Dioclétien, à partir de 284 après Jésus-Christ, va faire de Milan la capitale de l'Empire, ce qui change complètement la topographie, en parlant toujours de topographie de l'Empire entier, et ce qui fait que les voies qui passent au travers du col du Grand Saint-Bernard surtout deviennent fondamentales. C'est peut-être pour ça que la première cathédrale est si précoce dans la ville d'Aoste. Et à côté de la cathédrale, la topographie change par la fondation des complexes, des basiliques funéraires, dont celle qui est très bien conservée est celle de Saint-Laurent, juste après la porte prétoria, qui était un peu l'entrée principale symbolique à la ville. Thank you.